Hello, cher membre favori de Qigong Premier Pas, nous sommes jour 6 du calendrier alchimiste. Et oui, vous êtes les alchimistes de votre corps. Et nous accueillons avec Mannequin Echo. Je suis Véronique, diplômée en acupuncture traditionnelle chinoise. Vous pouvez télécharger le calendrier du mois d'avril. Allez-y en faisant le déroulé et en cliquant sur calendrier. Eh bien, mettez votre thé au chaud. Nous allons faire la danse du dragon aujourd'hui. C'est parti! Ok, alors la danse du dragon est un exercice qui se fait pour bien digérer. On est au mois d'avril, donc concernant le foie, on va aider le foie à bien se diffuser dans le corps parce que au mois d'avril, le foie est à fond, il envahit tout le monde, donc on va le canaliser en faisant certains exercices et la danse du dragon est franchement l'exercice adéquat pour aider ce dernier. Mais avant, on va préparer le corps, ouvrir les canaux et surtout permettre à l'énergie de passer, voilà, et d'être chouchoutée. Alors, les bras en balancier, en marchant, on déroule, on prend soin de bien dérouler les chevilles. Donc, vous faites des allers-retours. Et si des respirations viennent à venir, vous les exagérez. C'est des respirations spontanées. C'est le corps qui, comme un bâillement, se manifeste. Et donc, il faut l'exagérer. Ça fait toujours du bien. Le bâillement, l'exagérer, lui permettre de s'exprimer, ça fait toujours du bien. Donc, on le fait. Allez, on ralentit petit à petit le balancier des bras. On se prépare à faire des rotations. Tout simplement au niveau taille, on va faire les balanciers dans le sens horizontal. Pour ceci, vous avez les pieds parallèles. Vous pouvez ouvrir un pied pour donner plus d'envergure quand vous tournez. Bon, moi, je suis plus habituée à cette méthode-ci. Ou quand j'ai les mains qui viennent au contact avec le corps, je fléchis un peu plus les genoux et nous n'hésitons pas à nous tapoter et à utiliser la force centrifuge pour pouvoir fouetter le sang. Donc non, vous n'aurez pas de bleu, à moins d'y aller vraiment fortement. Allez, on fait circuler tranquillement, on utilise le balancier des bras, on ralentit et on va faire des petits sursauts sur les genoux. Voilà. Je vous laisse apprécier votre respiration. Voilà, on va ralentir. On va secouer les pieds, secouer, mais alors délicatement, c'est dénoué, hein. C'est de la subtilité, hein. Voilà. Franchement, vous mesurez vos gestes, vous prenez du plaisir à dénouer ces zones. Et nous allons aller rouler les épaules d'avant en arrière. Pour vous aider, vous pouvez mettre les mains sur les épaules. Dans l'autre sens. Les hanches maintenant, main sur les hanches. On va tourner. Rotation dans un sens. En douceur. Et en faisant attention à ce que l'on fait, tout simplement en appréciant le fait de dénouer son corps parce qu'il a été dans la même position toute la journée.
soit debout, soit assis, des positions systématiques. Et là, on lui permet de se dénouer. Et sinon, si c'est au matin, c'est parce que vous avez été allongé toute la nuit. Ça fait du bien, voilà, de mobiliser les articulations. Genoux fléchis et on fait des rotations dans un sens et des rotations dans l'autre. Voilà. Pareil, hein, je vous laisse apprécier le massage des pieds à chaque fois qu'on va dans un sens, à chaque fois qu'on va dans l'autre. Les articulations des pieds vont, le tarse, métatarse des pieds en profitent également. Allez, dans un sens, dans l'autre. Rotation des genoux. Je vous laisse apprécier le poids sur vos chevilles et sur vos doigts de pied, vos orteils. Très bien. Allez, retremblement sur place. Ressort sur les genoux. Très bien. Allez, pieds joints, on va faire la danse du dragon. C'est parti. On récupère l'énergie du ciel. On met les mains au-dessus de la tête, mains jointes, et on descend côté gauche. C'est parti, niveau joue. Ça, c'est le premier mouvement. On revient en hauteur, vous me suivez. On descend côté droit, niveau joue. Et c'est parti, on descend côté épaule, niveau gauche, hanche droite, genou gauche. On revient hanche droite, épaule gauche, joue droite et on remonte. C'est parti. Descend à gauche. On envoie la hanche à droite. On descend à droite. On envoie la hanche à gauche. Épaule, hanche, genou, hanche, épaule, joue et on remonte. Vous me suivez? C'est parti. Je suis en miroir par rapport à vous. Descends. Joue gauche, on remonte. Joue droite, on remonte. Épaule, hanche, genou, hanche, épaule, joue, on remonte. Descends. Joue, on remonte. Joue droite, épaule gauche, hanche droite, genou gauche, hanche droite, épaule gauche, joue et on remonte en hauteur. Allez, on est décontracté. Joue gauche, joue droite, épaule gauche, hanche droite, genou gauche, hanche droite, épaule gauche, joue droite. On remonte. Ah, on est fluide. Joue gauche, on remonte. Joue droite, épaule gauche, hanche droite, genou gauche, hanche droite, épaule gauche, joue droite. On revient. Et un dernier. Joue gauche, on remonte. Joue droite, épaule gauche, hanche, genou, hanche, épaule, joue. On remonte et on vient offrir tout ça à l'espace du cœur. Le cœur accepte ou n'accepte pas. C'est comme il souhaite, mais en tout cas, on lui met à sa disposition. Il est libre de prendre ce qu'on lui propose ou pas. Il est totalement libre de rester fermé, ouvert. C'est pas bien grave. Mais on se positionne face à lui. Superbe. On va pouvoir poser les mains sur le bas-ventre. Main droite pour les femmes en premier, main gauche pour les hommes. Et c'est pareil, on propose à la batterie, troisième batterie, on lui propose ce qu'on vient de faire, toute l'énergie. Le ventre est libre d'accepter ou pas tout ce qu'on lui propose.
c'est de la liberté totale pour le corps d'accepter ou pas ce qu'on lui propose. Et pour sortir de l'exercice, on ramène l'énergie en bas, on bouge les doigts, on bouge les jambes, on applaudit. Bravo, c'était pour ce jour 6. Fabuleux, merci d'être là. Et puis, ben, continuez à nourrir vos liquides physiologiques. C'est eux qui amortissent, qui sont les amortisseurs émotionnels. Voilà, je vous dis à très vite. Aimez, likez, vous avez la lettre du petit chat japonais, le calendrier. Vous pouvez regarder tout ça en dessous. Je vous dis à bientôt.